Salut les enfants. Salut. Alors, comment vous avez trouvé cet épisode? Trop bien. C'est vrai? Vous avez bien aimé? Ouais. Bah oui, nous qui sommes fans de Zelda, c'est sûr. Armel, qu'est-ce que t'as bien aimé alors? Moi, j'ai bien aimé la grotte des grands parce que j'ai trop aimé la faire avec les diamants, les rochers, les trônes. Ouais, et aussi le roc, parce que vous avez vu, en fait, on a utilisé la matière spéciale, le Formitrock. Oui. Qu'on vous avait passé hein, de la cité Formine Technologies. C'est vrai que ça fait des belles montagnes hein, comme on peut voir là, avec le gardien, c'est assez cool. Ouais, sinon moi j'ai bien aimé aussi hein, quand quand on l'avait dans la village Kokiri, enfin Kokoriko. Ouais d'accord. Car en fait j'ai trop aimé la musique. Oui, la musique le chant des tempêtes. Ouais. Ouais, j'aime bien aussi, j'adore cette chanson. Et toi, Noah, qu'est-ce que t'as bien aimé? Moi, j'ai bien aimé quand Impa s'est battu contre les trolls, l'Armengalan qui est arrivé. Ouais, alors c'est une belle raclée. Oui, je trouve qu'elle était bien faite comme ça. Ok, bah moi j'ai beaucoup aimé en fait faire ces épisodes. C'est vrai que au niveau combat c'était pas forcément terrible, mais j'ai beaucoup aimé en fait faire tout ce qui peut être musique et ocarina, car en fait cette série... C'est clairement un fan film, et après un premier épisode plutôt axé Breath of the Wild, là on a clairement rendu hommage dans l'épisode numéro 2 à Zelda Ocarina of Time. Alors j'aurais adoré avoir un ocarina hein, pour Playmobil, mais là ça l'aurait pas fait. Hein. On a donc pris une flûte, parce qu'en fait on en avait une, hein, avec les différents instruments de musique. Bon après c'est un petit peu le même principe quand même. Hein. Mais il y a quand même quelques spoils. Hein. C'est vrai. Déjà pour les Gorons et en plus pour les Aurins. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, comme ça fera un petit aide si vous séchez sur Zelda Ocarina of Time. Ah oui, parce que ce jeu c'est très dur. Hein. C'est pour vous dire. Oui, t'as pas fini encore toi. T'es en plein dedans. Hein. C'est moins de 12. Ouais, t'as encore le temps. J'ai encore le temps. Alors, cette épée, elle a quoi de particulier? Ah, l'épée, c'est l'objectif récurrent de chaque jeu de Zelda. Link finit tôt ou tard par la récupérer, donc on l'appelle l'épée de légende, la lame purificatrice, et en anglais, comme on l'appelle Armel, la Master Sword. La Master Sword, ça veut dire l'épée chef. C'est l'âme essentielle pour terrasser Ganon et pour libérer Zelda. Et si c'est très utilisé dans Zelda Ocarina of Time pour voyager dans le temps. Ouais. En la mettant et en la retirant d'un socle. Eh ouais. Il nous restera un épisode, donc le dernier, qui s'appellera le combat du héros. Pour le moment, on va avoir besoin d'un petit peu de temps pour préparer Paul et le dragon, l'une des histoires bretonnes que nous préférons. On retourne donc à nos vidéos, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit... Bye bye! Abonnez-vous, mettez des pouces bleus.